Je sais que je peux encore y arriver. Fracture. Alors, il ressemble à quoi? Les données dans le corps du personnage sont relativement normales. Néanmoins, la plupart des données dans son bras gauche se trouvent dans une boîte noire. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Est-ce que c'est à notre portée? J'espère que tu ne me sous-estimes pas. Loin de moi cette idée. S'il y a bien quelque chose à l'intérieur, je te garantis qu'on trouvera. Aucune boîte n'est impossible à déchiffrer. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'Ovan pouvait disparaître. Tu n'es qu'un enfant. Pourquoi? Hier, c'est pareil qu'aujourd'hui ou que demain. Tu pensais réellement que ça allait durer pour toujours? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est pire. Ovan pourrait ne jamais revenir. Pourquoi tu crois que ce sera le cas? Ce n'est qu'un jeu, après tout. Et il y a tellement d'autres jeux en ligne. Et puis avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qui le pousserait à revenir? Mais Shino attend bien son retour, non? Ouais, elle l'attend. Mais seulement parce qu'elle croit très fort en lui. Eh bien, et toi alors, Asio? Tu es en train d'insinuer que tu ne crois pas en Ovan? Il ne s'agit pas de savoir si je crois en lui ou pas. Puisqu'après tout, je ne le connais pas si bien que ça. Je me demande s'il y a encore une raison valable pour moi d'être ici. Que veux-tu dire? Bah, je veux dire qu'Ovan est parti. Et alors, la raison pour laquelle tu jouais à ce jeu, c'était pour plaire à Ovan? Je sais pas. Mais pourquoi pas commencer à jouer plutôt pour tes amis qui sont encore dans le jeu? Tu veux bien te calmer, prof? On était au courant de rien, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, à propos d'Ovan. Ce type est plutôt énigmatique. Et puis, si tu n'étais au courant de rien, comment j'aurais pu être dans la confidence? Oh, tu sais! Quoi? Quel est ton avis sur tout ça? De quoi tu parles? De notre quartier général? Non, imbécile, je me réfère à la Brigade du Crépuscule. La guilde n'a plus de raison d'être, tu ne crois pas? Plus aucune? La Brigade a été créée afin de trouver la clé du Crépuscule. Shino ne t'a rien dit? Elle m'avait dit qu'au lieu de s'écrire des mails à chaque déconnexion, ce serait plus facile de jouer si on faisait partie de la même guilde. Je me suis dit que si je fréquentais quelqu'un d'aussi cool que Shino, le jeu ne serait que plus amusant. Je quitte le jeu. Mais pourquoi? Shino et Ovan ne vont pas revenir. Et si la clé du crépuscule n'existe pas, notre guilde n'a vraiment plus de raison d'être. Mais la clé doit être quelque part. Même Shino a dit qu'elle n'existait pas. C'est censé être un jeu pourtant. Oui, c'est vrai, mais un jeu est tout de même censé comporter un challenge. Désolé, mais la clé du crépuscule est vraiment différente. Ah oui? Au lieu de toi à t'en gagner et perdre espoir, tu ne crois pas qu'il vaut mieux faire quelque chose de nouveau pour s'amuser? C'est inutile de se forcer à jouer à un jeu stupide comme celui-ci. Je ne me force pas! Tu as vu ton attitude, 2 secondes. Tu te forces, là! Mais arrête, tais-toi! Bon, ben, je m'en vais. Viens me voir quand tu veux. Ce n'est pas comme si j'étais pressé de quitter le jeu, tu comprends? D'accord, on se voit plus tard. Toi aussi, tu es venu le voir pour sa sagesse? Non, pour passer le temps. Oh. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qu'elle a, la brigade? Elle est au point mort. Alors Ovan est toujours porté disparu, c'est ça? Surveille Shino pour moi. Elle peut être très fragile lorsque ses points faibles sont visés et elle peut s'effondrer. Prends soin d'elle. Toi aussi, tu t'y mets? Salut, Asio. Bisette m'a dit qu'elle se faisait du souci pour toi. Je vois. C'est juste... qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Pourquoi tu ne te déconnectes pas? Tu vois, ce n'est vraiment pas le moment de s'enfuir et de se déconnecter. Ça ne fera pas revenir Ovan. Ça va. Qu'est-ce que tu veux fuir? Je me demande. Shino, j'ai remarqué que tu devais être très fatiguée ou je ne sais pas. Tu dors bien la nuit? Je suppose que oui. Si tu es inquiète pour une raison ou une autre, ou si tu sens le besoin de parler à quelqu'un... Je sens que j'ai besoin d'être là pour soutenir la brigade. Et avec la façon dont se comporte Sakisaka, et puis tout le reste, c'en est trop pour moi. Shino, je pense que tu te porteras mieux si tu ignores toutes les bêtises que dit Sakisaka. Mais je... Dorénavant, je me chargerai de tout. Ah. C'est gentil de ta part. Je te remercie. Ovan semblait être destiné à quelque chose de grand. Bon, et je suis d'accord pour dire que c'est exactement l'impression qu'il dégageait. Exact. C'est pourquoi j'attendais beaucoup de lui. Et puis, je me suis rendu compte de mes sentiments. En fait, je suis restée dans le jeu pour être aux côtés de Ovan. Oui. Dis-moi... Est-ce que Ovan reviendra? Pourquoi tu me demandes ça, moi? Mais tu sais bien. En plus, Gord est parti, alors je crois que je devrais abandonner moi aussi. Ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Merci beaucoup. Si telle est ta décision, je ne peux pas te retenir. Tu as raison, mais... Je voulais juste voir Ovan encore une fois. Une dernière fois avant que je ne quitte le jeu. Et on... Je suis désolée, je suis très en retard. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faudrait reprendre là où on s'est arrêté et recommencer à chercher la clé du crépuscule. Quoi? Est-ce que tu es sérieux, là? Combien de fois est-ce qu'on va devoir te l'expliquer assez haut? Pour la énième fois, la stupide clé n'existe pas. Comme disait Ovan, qu'elle existe ou pas n'est pas la question. Je refuse de chercher quelque chose qui n'existe pas. C'est tout simplement débile. Moi, ça m'est égal que ce soit débile. Et toi alors, Shino, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Bah, tu sais bien, si on doit continuer à la chercher ou pas. Je pense que ça ne sert à rien de lutter pour quelque chose qui n'existe pas. Alors, c'est réglé. Ça fait 3 contre 1 et je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Le passé? Avant qu'Aseo et Toine rejoignent la brigade. Je doute fort qu'on vous ait dit quelque chose à ce sujet. On n'avait aucun indice nous menant à la clé, et on passait des heures à la chercher partout où nous menaient des rumeurs infondées. On surveillait les stupides territoires fantômes indéfiniment pendant des jours et des jours. Tu plaisantes? Une vraie perte de temps, tout ça. Oui. Si tu veux que je rejoigne le groupe, apporte-moi d'abord des preuves tangibles. Pas la peine. Oh. Je sais, si on commençait par chercher Ovan. Tu ne crois pas que s'il est encore connecté, il y a de grandes chances pour qu'il soit dans les parages? Même s'il est connecté, ça fait un moment qu'on n'a pas été en contact avec lui, et il ne s'est pas montré. C'est futile. Avant de dire que c'est futile, on pourrait au moins essayer. Comment on s'y prend pour le trouver? Je ne sais pas. Je ne suis pas trop convaincu par tout ça. Mais on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. On n'en a pas déjà fait assez. Il est temps d'arrêter d'espérer. Tu n'es pas inquiet? Ovan n'est pas un gamin. Il reviendra s'il le veut. Et s'il ne le fait pas, ça ne fera qu'expliquer pourquoi il a ignoré nos appels. S'inquiéter pour lui n'est qu'une perte de temps. Tu n'es qu'un idiot! Pourquoi tout à coup tu as décidé d'intervenir comme ça? J'ai simplement pensé que si on avait un objectif, ça nous aiderait à nous unir. J'ai raté mon coup. Tu sais quoi? Je vais aller faire un tour. Arrêtez! Arrêtez! Encore un peu plus. C'est drôle, je ne pensais jamais revenir ici et me voilà. Bienvenue à la maison, Bisette. En fait, je pense arrêter pour de bon. Je suis revenue juste pour dire au revoir. Je vois. Shino, je peux te demander quelque chose? Quoi donc? J'aimerais que tu me donnes ton avis sur ACO. Ce gamin a un bon fond, tu ne crois pas? Oui. Pourquoi ne pas compter plutôt sur lui? Et puis mettre Ovan aux oubliettes, qu'est-ce que tu en penses? Je ne peux pas faire ça. J'apprécie Asio, mais Ovan est quelqu'un de vraiment spécial. Je vois que je n'arriverai jamais à te convaincre. Et j'en suis navrée. Ne t'en fais pas. En fait, tu m'as aidé à faire mon choix. Bon, j'y vais, Shino. Ça m'a fait plaisir de te voir. Au revoir. J'ai travaillé tellement dur pour m'en sortir, mais... Shino, où est-ce que je dois aller? J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Tout le monde va partir, c'est ça? Tu ne devrais pas te sentir triste pour ça. Non, je ne suis pas triste. C'est juste que je me demande si je ne suis pas différente des autres. Toi, différente? Je ne sais pas, mais peut-être que je suis différente parce que je serai la seule à rester dans ce jeu jusqu'à la fin. Peu importe ce qui adviendra de The World. C'est à cause d'Ovan. Peut-être que je n'aurais pas dû vous présenter. Je te suis très reconnaissante. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Du temps? Oui, pour mettre tout ça à plat. Je comprends. Quitte à tout dissoudre. C'est moi et moi seule qui m'en chargerai. Mais où est passé Shino? Phyllo m'a contacté à son sujet. D'après lui, elle ne va pas se connecter, pas pendant un moment. On dirait que le mail m'est revenu. Pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus? J'ai été vraiment bête d'y croire. De quoi tu parles? Tout ce temps, Ovan travaillait avec les Tannes, et ils ont la clé du Crépuscule. Quoi? Réfléchis 2 secondes. C'est logique. Et c'est la raison pour laquelle Shino... Qu'est-ce que tu racontes, là? Elle nous a dit que la clé du Crépuscule n'existait pas, tu t'en souviens? Alors pourquoi Ovan ne revient pas? Il a été connecté tout ce temps. Il doit y avoir une autre explication à tout ça. Oui, et alors laquelle? Shino ne fait pas semblant. Quelle serait l'explication dont tu parles? Je n'en sais rien. Donne-m'en une! Oh. Je ne peux pas continuer. Je m'en vais. Prof, attends! Oh. Tu ne lui cours pas après? Oh. Mais je... Tu as un message de Shino? Non, j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. C'était sûrement tes parents? Non, ça fait longtemps que je n'habite plus avec mes parents. Asio, je peux te demander un truc? Hein? Je ne connais pas le numéro de Shino. Tu l'aurais? Je l'ai pas. Je ne lui ai pas encore demandé. Vraiment? Si je lui demande, elle me le donnera. Si j'avais su ce qui allait se passer, je lui aurais demandé plus tôt. Vous vous entendez bien, en ce moment? Je ne suis pas convaincu. Mais vous êtes presque toujours fourrés ensemble. C'est pas vrai. Admets-le. Je te vois toujours regarder Shino avec tendresse. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je pense que c'est totalement injuste. Bah alors, et toi, tu traînes toujours avec Sakisaka, non? Ouais, mais ce n'est pas du tout par choix. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dirai rien. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ce que je ressens. Et je n'essaye même pas. Ça te ferait plaisir que je sois avec Sakisaka, ne dis pas le contraire. Ouais, si tu veux, je n'ai même pas dit ça. Ah. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'abandonne la brigade. Quoi? T'es sûr de toi? Je m'amuse bien plus avec toi de toute façon. Je vois. C'est dommage. Mais prof, ça ne te ressemble pas? Hé, on devrait s'entraîner à faire notre attaque ringueki comme avant. J'en ai pas envie là tout de suite. Mais après tout, pourquoi pas? Ça me laisse perplexe le fait qu'on ait tous les deux quitté la brigade. Et je suis étonné de voir qu'on est encore ensemble. Ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu une phrase à la Sakisaka. Oh, tu sais. Désolée de t'avoir laissée seule à un moment si difficile. Ce n'est pas grave, je vais bien. J'ai pris une décision. Hein? Oh. Oh. Je ne suis pas comme elle. Aura a perdu espoir en ce monde et elle a décidé de s'enfuir. Mais Shino, que s'est-il passé? Oh ça... Sans doute que j'essaie d'exprimer ma détermination. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de dissoudre la brigade du crépuscule. Et tu as le droit de faire ça? Oui, et même sans guilde. Et même si je suis la dernière à rester. Je peux attendre, alors je le ferai jusqu'à ce qu'Ovan revienne enfin. Ne dis surtout pas que tu es seule. Quoi? Je suis là. Et j'attendrai avec toi. Merci, Asio. Tu n'as pas besoin de... Je sais, je n'ai pas besoin de te remercier maintenant. Du moment que tu saisis, pour moi, tout va bien.